thank <laughs> you Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Éric Villard, cher Éric Villard, bonjour et bienvenue. On est ravi à Effraction de, de vous compter au, au programme, de, de profiter de l'opportunité d'une parution qui s'appelle Une sortie honorable début janvier chez Actes Sud euh, pour vous inviter, mais de toute façon c'est aussi un grand entretien puisque votre œuvre travaille les préoccupations du festival d'une façon à la fois évidente et complètement singulière. les donc une sortie honorable, si je devais le dire très vite, c'est la guerre d'Indochine par Éric Villard. Mais c'est évidemment bien trop vite dit et nous allons euh, l'entreprendre autrement. Parce que qu'Éric Villard écrit l'histoire euh, d'une façon, je le disais, singulière, euh, qu'on cite 14 juillet, l'ordre du jour, Prix Goncourt, où il est question des rapports entre puissances financières et militaires dans les années 30 en Allemagne. 14 juillet, où il est question de ce qui se passe, ce jour symbolique et de ses conséquences évidemment et motivations politiques. La guerre des pauvres, où il est question euh, d'émeutes de la faim euh, dans l'Allemagne euh, du 16e euh, les, les livres d'Éric Vuillard, vous l'avez vu, sont des blocs, des opuscules brefs, extrêmement compacts, extrêmement denses et extrêmement ramifiés. Et ils ont en commun euh, de. D'être des livres de littérature et d'histoire. Et en écrivant ça dans mes notes, j'ai aussitôt repris d'histoire et de littérature. Ils sont pleinement les deux. Et c'est en ce sens-là hein, que je le disais, que ça nous intéresse beaucoup pour, pour Effraction. C'est-à-dire que l'histoire telle que nous la raconte, telle que la visite, telle que nous la fait revisiter Éric Vuillard, est euh, et, et particulièrement rendue par une évidente qualité littéraire qualité multiple, hein, qualité de narration, qualité d'évocation, qualité poétique aussi. Euh, et les deux sont donc indissociablement liés. C'est-à-dire ce que ce que vous mettez en œuvre n'est pas du tout du roman historique. Euh, C'est un mode de récit qui n'exclut absolument pas des mécanismes romanesques, des, 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 des mécanismes d'organisation de la fiction, mais qui s'en tient au récit et qui part du document. Qui part du document, voire il revient et réinterroge le document en cours de route. Et ça, ça, ça donne une matière euh, fascinante de, de limpidité et de complexité, si j'ose dire. Hein, Je fais ce démarrage presque sur des oxymores, euh, mais tout de même, c'est fort présent. C'est-à-dire que euh, il est le texte source. Et c'est particulièrement remarquable dans une sortie honorable, et on va entrer par le début. Le texte source de vos interrogations, le document donc, est littéralement interrogé en même temps qu'intégré. À des pans d'histoire que vous nous égraînez pour qu'ils construisent quelque chose. Et quand je dis construire, c'est aussi bien romanesquement qu'en termes d'image. C'est-à-dire que là, le lecteur, mais les lecteurs et lectrices que vous êtes de Vuillard l'ont déjà ressenti, euh, il y a un plaisir particulier de lecture et multiple à vous lire, qui est parfois sonore, et là c'est le cas dans ce livre-là. Il y a des charges contre des hommes politiques ayant existé qui sont. Pleine de, de rage et, si j'ose dire, de joie, dans, dans la joie de, de presque pamphlétaire de la charge et du langage en route, euh, qui est une énergie. Il y a aussi des, des scènes, littéralement, qui se montent à nos yeux, des choses qui deviennent soudain extrêmement visibles, non pas seulement pour produire de l'effet de réel romanesque, mais pour que, je pense, cet effet de réel romanesque produise lui-même un surcroît de sens intellectuel. Donc il y a une recherche d'efficacité, de nouveau elle-même documentaire, hein, si vous voyez euh, cette espèce de, de course qui se produit, à la fois à nos yeux et en même temps euh, en grande limpidité dans une lecture qu'on peut avoir euh, rapide, simple, sans se poser euh, mille questions, euh, les plaisirs sont, sont multiples. Euh, et donc je parlais de blocs isolés de livres, donc une sortie honorable euh, traite de la guerre d'Indochine, il en traite d'une manière extrêmement singulière, euh, 14 juillet traite du 14 juillet. Et il y a également des continuités entre vos livres. Ils se font manifestement ou plus discrètement signes. Ils se font signe parfois dans de minuscules détails. Je pense, à titre d'exemple, à une liste de suicidés au début d'une sortie honorable, à une liste de suicidés dans les plantations euh, indochinoises, qui m'a aussitôt renvoyé à des listes de, de, de victimes. Au début de 14 juillet, euh, cet cette inventaire-là, bref, qui a une fonction à la fois de mémoire et, et poétique, évidemment euh, intellectuelle et, et politique, enfin qui dit quelque chose. Il y a des signes comme ça, des détails discrets, et puis il y a des continuités plus grandes, c'est-à-dire euh, plus larges, plus thématiques. Euh, une sortie honorable euh, m'a immédiatement, dans son ensemble, euh Faire repenser à l'ordre du jour, comme s'il était un pendant français de ce dont l'Allemagne était porteuse à cet endroit-là, c'est-à-dire de cette alliance fatale entre l'industrie, les puissances d'argent et la guerre. Deux exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, mais vos livres sont à la fois extrêmement distincts et reliés. Et pour parler et pour partir d'une sortie honorable, je vous proposerai, Eric, entamer par le début, pour faire les choses simplement, d'entrer de, dans le livre par ce premier chapitre qui s'appelle Annexe très confidentielle, un rapport de l'inspection du travail, si vous voulez bien nous en lire un peu, qu'on entende ce dont je parlais, hein, qui est cette histoire de langue aussi, et puis qu'on parte ensemble de là pour, euh, pour questionner euh, tout cela, ce, ce chantier, ce rapport aux documents, euh, et puis ce livre-là. Il faut voyager, écrivait Montaigne. Cela rend modeste, ajoutait Flaubert. On voyage pour changer non de lieu mais d'idées », renchérit Séthène. Et si c'était tout le contraire Dans un guide de voyage sur l'Indochine de 1923, après une page de publicité pour la maison Ridet et compagnie, armurier au centre d'Hanoï, fournissant armes et munitions de chasse et de guerre, tous accessoires pour chasseurs et touristes, pistolets automatiques ou carabines, avant même que ne soit évoquée la partie la plus pittoresque du Haut-Tonquin, où se trouvent quantités de curiosités naturelles, on tombe sur un petit lexique manuel de conversation à l'usage des vacanciers, dont voici en français les premiers rudiments. Va chercher un pouce, va vite, va doucement, tourne à droite, tourne à gauche, retourne en arrière, relève la capote, baisse la capote, attends-moi là un moment, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat, à la concession. C'était là le vocabulaire de base du touriste français. En Indochine. Bonjour. Merci, Donc, Eric. merci Génaël pour la présentation. Merci au, au festival et et fractions. Alors, euh, bon, as dit beaucoup de choses. Je pars un peu, euh, alors sur ce qui est à l'origine, puisque c'est l'objet de ta question d'un livre. Bon, tout d'abord, euh, euh, au fond, euh, quand, comment dire, d'une certaine façon. Euh, peu importe euh, enfin, pour ce qui me concerne nos désirs. En dernière instance, euh, je veux dire, on, on écrit tous pris euh, tout de même dans un, dans un fond beaucoup plus vaste euh, de détermination sociale et politique qui nous échappe évidemment pour une part et dans lequel on est plongé. Alors je, je songeais du coup euh, euh, ce matin, enfin après à partir de certaines relectures, j'avais fait des, des photocopies euh, et je relisais quelques passages. Et il me semble que ça pourrait illustrer... Euh, euh, d'une certaine façon ce que ce que je veux dire j'ai donc, j'ai photocopié un petit passage d'une chambre à soi, le livre de Virginia Woolf, sur lequel elle médite sur la littérature et le rapport des femmes à la littérature. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui est euh, un phénomène, justement, euh, social, d'inégalité, d'asymétrie, donc, entre les, les hommes et les femmes. Et il y a juste deux petits passages, enfin, il y en aurait beaucoup d'autres, mais euh, qui, euh, qui m'ont beaucoup euh, marqué. Elle, donc, elle cite un certain nombre de, de grands romans, Léo de Hurlevent, Middlemarch, et elle dit. Ces bons romans furent écrits par des femmes qui n'avaient de la vie que l'expérience qui pouvait entrer dans la maison d'un respectable pasteur. Mieux encore, écrits dans le salon commun de cette maison respectable et par des femmes si pauvres qu'elles ne purent se permettre d'acheter plus de quelques rames de papier à la fois pour écrire Les Hauts de Hurlevent ou Jeanne R. Et puis un peu plus loin, elle écrit euh, ceci. Au même moment, de l'autre côté de l'Europe, il y avait un jeune homme qui vivait librement avec telle grande dame, allait à la guerre, ramassant sans qu'intervienne ni obstacle ni censure toute cette riche expérience de la vie humaine qui plus tard lui rendra de si magnifiques services quand il écrira ses livres. S'il avait mené au priori une vie retirée avec une femme mariée à l'écart de ce qui s'appelle le monde, quel édifiant qu'eût pu être ce spectacle, Tolstoy n'eût certainement pas écrit « Guerre et paix ». Et donc là, ce que, ce que dit vraiment Virginia Woolf, c'est précisément que euh, le, le, au fond, le, le désir, c'est bien, d'accord, mais que tout ça est pris dans un fond beaucoup plus large, euh, comme je le disais, qui nous échappe très largement. C'est-à-dire que euh, quand Jane Austen écrit, elle écrit au fond à partir d'une expérience très mince. Euh, C'est-à-dire, elle a euh, le prieuré paternel, le salon dans lequel elle est, les enfants dont elle s'occupe, les œuvres charitables, voyez, et euh, la, la grandeur, on peut dire, de ses livres vient du fait qu'elle est fidèle à cette expérience. C'est-à-dire que les livres de Jeanne Austin ne cherchent pas à inventer, au fond, euh, sur un fond imaginaire, euh, disons à la Walter Scott, vous voyez, euh, des histoires euh, euh, qui lui échapperaient largement. Au contraire, elle se tient rivée euh, à cette expérience qui est la sienne. Et tout ce qu'elle nous raconte, ce sont au fond des drames liés à euh, une nurse, une gouvernante, une jeune femme, pris dans exactement le même milieu que le sien, si bien que son expérience est parfaitement adéquate à ce qu'elle dit et qu'elle nous apprend quelque chose et que ces livres sont encore vivants aujourd'hui. Puisque, si la situation évidemment des femmes n'est plus la même en Grande-Bretagne ou en France qu'à l'époque où elle a écrit dans la petite gentry anglaise, néanmoins, ce type d'asymétrie existe encore évidemment chez nous comme ailleurs. Et de toute façon, le type d'inégalité qu'elle décrit traverse encore la vie sociale et la, la, la sature en quelque sorte et l'organise toujours. Donc ça, voilà, c'était le, le, le la, 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 la première chose. Alors. Un peu plus loin, dans le même livre, voilà. Virginia Woolf écrit ceci. Tous les grands romanciers tels que Thackeray, Dickens ou Balzac ont écrit une prose naturelle, rapide, sans être négligée, expressive, sans être affectée, possédant une couleur personnelle, sans pour cela cesser d'appartenir à la communauté. Ils se sont appuyés sur la phrase qui était courante à l'époque. Et à peine plus loin dans la page, elle écrit Austin, donc Jeanne Austin, la regarda, Henri. Et inventa une phrase parfaitement naturelle, bien tournée, propre à son usage personnel et dont elle ne s'est jamais départie. Ainsi, avec un moins grand génie d'écrivain que Charlotte Brontë, elle parvint à dire infiniment davantage. Et c'est tout à fait lié là, à ce que je viens de dire, mais ça touche à un point plus, plus vif encore qui est ce qu'on appelle le style, vous Voyez l'écriture. C'est en principe le lieu dans lequel la subjectivité humaine, au, au sens le plus profond, le plus intime, ce qui nous échappe, devrait vous voyez, se révéler. Alors, Évidemment, euh, c'est bien ce lieu dont il s'agit puisqu'elle parle. Elle, elle regarde à cette phrase, elle rit. Donc c'est bien Austin qui a commis cette opération. Mais en fait, on voit que cette opération consiste néanmoins à adopter tout d'abord la phrase qui était la plus courante à l'époque, à la défaire légèrement pour parvenir, avec un génie moins grand que justement euh, Branty, euh, à dire infiniment davantage. C'est donc une opération qui pour le coup vraiment concerne la vie sociale, c'est-à-dire ce qu'à la révolution française dont elle a été la contemporaine, on appelle l'universel. Au fond, c'est une relation à ça. Donc, je crois que les livres, au fond, que ce soit les miens, que ce soit ceux des autres, naissent de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est dans un rapport à ce qu'on peut appeler la prose, c'est-à-dire une langue qui est liée à un rapport universel depuis au moins la fin du XVIIIe siècle. Et puis, en essayant en tout cas d'être le plus fidèle possible à quelque chose qu'on a autour de soi, ou qu'en tout cas on peut tenir dans la main comme des archives, des traces du passé des, des, et des photographies. Alors pour, euh, pour en venir à, à ce, petit, euh, euh, ce petit passage de, de mon livre au, au début... Euh c'est que, au fond, les, les, les livres, en tout cas euh, pour ma part, je, je décrète pas un jour d'écrire sur l'Indochine ou sur le 14 juillet comme si c'était, je sais pas, une, une tranche d'histoire qui m'intéresserait particulièrement ou par un goût pour ceci ou cela. Pas, pas du tout. Ça vient euh, d'une rencontre euh, hasardeuse en fait avec euh, une photographie, une, un texte, une phrase, euh, quelque chose au fond qui vient euh, troubler l'idée que je pouvais me faire de telle ou telle époque, telle ou telle. Thème, euh, telle chose qui, comme euh, vous tous, pouvait m'intéresser, enfin pour sur laquelle je pouvais euh, lire des livres depuis plusieurs années, regarder des films. Et là, en l'occurrence, donc, c'est euh, plusieurs choses, euh, puisque au fond, le, évidemment, euh, tu évoquais tout à l'heure le rapport aux archives. Mais le rapport aux archives, comment dire Je ne sais pas que je me euh, méfie du mot d'archives, mais le mot archive, on le voit bien emporte avec lui une forme d'autorité en quelque sorte. -dire, quand on dit vous allez dans les archives, c'est une activité respectable, éminente. -dire, euh, comment dire Il y, y a quelque chose de, de scientifique. Euh, bon. Or, euh, bien sûr que dans le livre, je suis allé dans certaines archives. Etc. Mais ce c'est pas les archives qui ont déclenché, en tout cas pour ma part, le, 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 ce qu'on appelait le, le désir d'écrire. C'est au contraire justement un autre type de document qu'on peut à peine appeler document, d'ailleurs des choses qui nous tombent sous la main et qui dans l'existence nous troublent. Et donc, en l'occurrence, il y a eu ce, ce petit guide de, de voyage. Donc, on m'a offert ce, ce guide. J'ai commencé, comme je raconte d'une certaine façon là au départ, je l'ai feuilleté. Et je suis tombé sur cette publicité de la maison Ridey et compagnie qui m'a fait un drôle d'effet. Vous voyez, des armes de chasse pour touristes. Alors bien sûr, des armes de guerre plutôt et de chasse pour touristes, évidemment. Ce sont des armes de guerre sans doute pour chasser le gibier. Mais enfin, vous voyez, ça fait tout de même une drôle d'impression. Et puis surtout, ce petit lexique. Je tombe sur ce petit lexique, je commence à le, à le feuilleter, et on voit tout d'abord qu'il trace une, une espèce de, de géographie de la, de la, de la domination la, la plus évidente, c'est-à-dire la concession, le commissariat, l'église, vous voyez, bon, ça, ça forme un ensemble assez cohérent, et puis surtout le ton. C'est-à-dire, chacun des mots, chacune des expressions qui étaient traduites en vietnamien, et on aurait pu mettre un point d'exclamation derrière. On peut dire, s'y déploie une sorte de grammaire de la servitude, et comme je le dis, sans qu'il est ait aucun mot de, de politesse. Alors, la, tout ça s'est articulé avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, euh, Évidemment, on peut se dire, bon, c'est une époque donnée, euh, c'est une, une époque lointaine, euh, bon, les gens étaient ingénus, ils ne se rendaient pas compte, bon, et voilà. Ils voyageaient, ils étaient tout de même curieux des autres, mais enfin, voilà, c'est vrai qu'ils allaient de la concession au café et au commissariat de temps en temps, quand ils avaient perdu leurs affaires. Bon. Sauf que ce que Bloch appelle la solidarité des âges, on peut l'envisager de différentes manières. Ce qui m'a troublé, c'est qu'en lisant Tchékov, des, des carnets qu'il a laissés après son voyage à l'île Sakhalin, où il est allé faire mener une enquête sur le, le bagne de, de Sakhalin, il fait une escale à Hong Kong et il prend lui aussi un pouce-pouce. Comme le, le, le petit lexique, qui est principalement adressé au pouce-pouce, le, le, le suppose dans ces pays-là, on, on, on prend un, un Pouce, pouce Et donc il raconte, il met en note, j'ai pris un pouce pouce, je me suis fait traîner par des hommes. Et donc, on voit bien que pour lui, euh, quelques 30 ans avant, au fond, le petit guide de voyage, dans un. Euh, lui qui appartient à une société infiniment plus rétrograde, au fond encore, que l'Empire colonial français, eh bien, perçoit aussitôt qu'il y a là quelque chose de curieux dans l'effet d'être traîné, comme il le dit dans cette expression qu'il invente, qui est à lui, par des hommes. Et donc, dans cette idée, vous voyez, de solidarité des âges, ça vient inverser presque ce, ce Candy Block. On n'est pas. Euh, euh, comment dire C'est pas seulement que des douleurs, des inégalités traverseraient les c'est que finalement, on peut avoir quelqu'un qui vit 30 ans avant et qui soit finalement moins rétrograde dans un univers pourtant qu'il est infiniment plus qu'un qu groupe qui se trouve 30 ans après dans une autre situation. Et tout ça est tout de même curieux et nous incite à repenser l'idée selon laquelle les mondes sociaux seraient étanches, les manières de penser lointaines seraient exotiques et donc auraient été hermétiques à certaines, je sais pas, valeurs, à certaines inégalités, etc. Et puis d'autre part, il suffit d'aller regarder nos guides de voyage aujourd'hui pour voir qu'au fond, ils ne sont pas indemnes de petits problèmes. Donc je suis allé sur les, sur les forums, regarder sur les guides, et je vois que l'une des obsessions de nos guides de voyage consiste dans ce qu'on appelle la sécurité, les sollicitations pénibles et euh, les marchandages. Alors évidemment, euh, pas les guides de voyage pour Londres euh, ou pour Madrid, non, les guides de voyage pour le Vietnam, l'Inde, etc. L'un des soucis des vacanciers, de nous tous d'ailleurs, c'est de ne pas payer trop cher une course en, en cyclopousse justement et, euh, et ce qu'on nous dit en général c'est bon bien sûr les sollicitations sont pénibles euh, bon mais il faut savoir être patient euh, voilà etc. donc il euh, y a, a d'aimables de, de, appels comme ça à la patience et puis ensuite on nous explique entre deux pagodes bon le, le, le prix doit être d'un euro qu'il est le cas échéant négociable à un euro et que vous pouvez toujours laisser un type voyez et il n'est pas sûr tout de même que quelqu'un qui vivait peut-être 30 ans avant nous, mais d'un peu plus éclairé, à la lecture de ce guide, ne trouve pas tout à fait euh, choquant, bizarre, qu'on négocie à ce point, euh, compte tenu de la valeur de l'euro pour nous, voyez, ce que vaut 1,50€. Donc on a des soucis qui sont tout de même étranges et qui, au fond, ne me paraissent pas si lointains de ceux du, euh, du petit guide de voyage. Alors, c'est toutes ces choses prises ensemble, d'une certaine façon, qui forment ce qu'on pourrait appeler une, une sorte d'optique, en fait. voyez, euh, quelque chose qui permet de voir, de regarder un peu différemment, qui sont venus, je le disais, un peu troubler les idées que je pouvais me faire. Et puis, il y a eu d'autres... Je rechigne un peu les AP Documents, enfin d'autres choses qui me sont tombées sous les yeux. Notamment, je pense à un petit film des, des Frères Lumière euh, qui m'a fait un drôle d'effet. Donc en fait, je ne cherchais pas du tout quoi que ce soit sur l'Indochine. Euh, J'étais en train de regarder, il y a un catalogue des, des films des Frères Lumière où on en trouve un certain nombre, beaucoup en fait, visibles. Euh, donc j'en regardais et je cherchais en fait un film que j'avais vu il y a longtemps qui est un très beau film qui s'appelle, je crois, « Bataille de boules de neige ». Et euh, j'en avais gardé des images, je voulais le revoir. C'est des petits films de 40-45 secondes à peu près. Et donc j'ai retrouvé ce film, La bataille de boules de neige, qui est très beau, un peu mis en scène. On voit un, un vélo qui passe, des gens se lancent des, des boules de neige. Ça, rappelle, euh, ça nous rappelle tous, je crois, l'enfance. Le, D'abord le, le noir et blanc, et puis la, la neige. Enfin, bon, voilà. Donc je regarde, et puis en, en regardant un peu plus, je, je tombe sur différents films que je, euh, que je, je, je visionne également, jusqu'au moment où je tombe sur un, un titre qui est. Euh, enfant anamite c'est ramassant des sapecs devant la pagode des dames et là je me dis c'est un conte de titre oriental ça qu'est-ce que c'est Il y a enfant anamite ramassant des sapecs devant la pagode des dames ça fait beaucoup quoi c'est du marguerite ursenard bon je vais aller voir ce que c'est donc je regarde le film et là je tombe sur une scène très étrange comment dire j'ai un effet euh, c'est comme si j'avais vu deux films au début on, on, on voit principalement deux dames en crinoline, euh, tout en blanc, euh, elles, tiennent, elles ont un petit sac à main chacune, elles sont devant une pagode. On voit bien qu'il y a des gens devant, mais c'est elles qu'on voit tout de suite, je veux dire à la première seconde, parce qu'elles sont d'abord immaculées. Voilà. On les voit à elles, hop, elles apparaissent, et puis l'instant d'après, on se rend compte qu'il y a un grouillement en fait de, de, de jeunes enfants euh, devant. Et là, elles ouvrent leur petit réticule, leur petit sac à main, et à pleine poignée, elles jettent des choses. Alors, comme on ne sait plus exactement ce que c'est que des sapèques, bon, j'avais bien l'idée que c'était des pièces de monnaie, mais ça reste assez vague. Voyez, on se demande ce qu'elles jettent. Et c'est un geste, en plus, c'est le même geste que la, la, la fermière qui, qui jetterait du grain aux poules. Enfin, c'est exactement pareil, elles jettent comme ça. Donc, c'est une scène bizarre, à plus d'un titre. C'est comme s'il y avait plusieurs scènes. On, on voit d'abord les crinolines, le blanc immaculé, puis les enfants devant, puis on s'aperçoit... Soit qui sont en loc, et puis tout à coup il y a ce moment très fugace mais tout à fait troublant où un enfant nous regarde, fait ce qu'on appelle un regard caméra, ce qui a été longtemps interdit. Et Dieu merci, lui s'en fiche. Alors il regarde la caméra et c'est sans doute le seul moment de réalité du film. C'est-à-dire, je ne souscris pas du tout au point de vue selon lequel l'art serait du côté ou la littérature de la fiction et bon, etc. Là, en l'occurrence, on assiste à un documentaire, mais dans ce documentaire, presque tout est de la fiction, sauf le regard de l'enfant. Le moment où il nous regarde, de manière assez sérieuse, euh, avec. Euh c'est à la fois fugace et profond, nous, nous, nous pénètre et crée, lui justement, une, en un autre sens, une solidarité des âges. C'est-à-dire, il nous requiert. On ne peut pas regarder ce film de la même manière après son regard, surtout que cet enfant hésite à ramasser les pièces. Après, il se retourne à plusieurs reprises. Il, il sent bien qu'il y a quelque chose, justement, de tout à fait fictionnel dans cette scène et de tout à fait bizarre. Et elle est fictionnelle à plus d'un titre, puisqu'on peut tout à fait se douter assez vite qu'il y a des gens sur le côté en train d'organiser tout ça. Les mouvements des enfants ne sont pas naturels. Etc et puis la valeur de la sapec c'est à dire que quand on se renseigne il faut 800 sapec à l'époque pour faire 20 sous alors vous voyez ce que ça peut représenter c'est à dire rien et donc on leur jette rien en fait alors ils sont sans doute très pauvres hein, donc ils ont sans doute besoin de ce rien mais le fait qu'on leur jette doit être un petit peu étrange donc j'imagine on, on les voit regarder sur le côté on imagine assez bien que quelqu'un leur dit allez vas-y ramasse il y a 43 secondes vous voyez donc il faut pas qu'on perde de temps faut que, faut il faut qu'il y ait une action qu'il se passe quelque chose dans le petit documentaire et puis après, j'ai approfondi, évidemment, je me suis demandé, mais qui sont ces dames Parce qu'on pourrait là aussi, toujours dans l'idée qu'on est dans le passé, un passé lointain, se dire... Finalement, ce sont des voyageuses ingénues qui se sont perdues là. Elles sont allées visiter cette magnifique pagode. Et puis à la sortie, il y a un homme à côté d'elles, vietnamien, qui doit leur dire La coutume ici, c'est de jeter des sapecs. Donc elles jettent des sapecs. Elles se font piéger par l'opérateur veine des Lumières. Là. Bon, ce petit salopard, là, les films. Et pour l'éternité, elles ont l'air voilà, de deux dames qui jettent des pièces à des mendiants. C'est odieux. Bon. Or, quand on se renseigne, ce sont Madame et Mademoiselle d'Oumer. C'est-à-dire que l'une est la femme de Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, et l'autre sa fille. Ce sont donc pas du tout des oies blanches qui sont venues là par hasard. Elles savent parfaitement où elles sont. Et elles sont très informées, pour autant qu'on peut l'être. Alors elles, elles, elles vivent pas dans un petit prieuré comme Jeanne Bon, elles vivent. Elles ont finalement une, une vision panoramique plus large, mais elles voient rien. Voilà. C'est que donc on peut vivre, comme je le disais, dans un petit prieuré et raconter des choses tout à fait justement à, à la hauteur de ce qu'elles voient en ayant une, une en étant personnalisées en essayant de, de coller, de ne rien inventer, de, de, de comment dire, de raconter les véritables drames au fond qui se nouent dans la vie sociale, c'est ce que fait Genostine. Et puis on peut avoir une vue panoramique être la femme du gouverneur de l'Indochine, être même gouverneur d'Indochine soi-même, puisque je ne pense pas que Paul Doumer voyait davantage de choses. Et puis ne rien voir du tout. Et pour preuve, Paul Doumer, c'est un, un homme qui a été président de la République un peu plus tard, qui a organisé notamment, au même moment, au moment où ce petit film a été pris, euh, il est en train d'organiser fait différents allers-retours entre l'Indochine et la France pour organiser une levée de fonds et un vote à l'Assemblée nationale, une levée de fonds pour construire une, une voie ferrée dans le Haut-Tonkin. Alors, il faut que la civilisation oui, aille jusqu'au Tonkin tonquin où jusqu'à présent rien ne se passait, quelques vagues paysans piochaient depuis des siècles, mais Dieu merci, Doumer arrive à l'idée de, de faire construire comme ça un magnifique chemin de fer, mais pour ça il faut de l'argent, donc il va voir Paris-Bas, enfin des banques qui existent encore, la Société Générale, d'autres qui ont disparu, et puis euh, euh, pour, donc, il faut d'abord des investisseurs et il faut ensuite que le Parlement autorise la construction, etc. Et puis l'État français va participer, les impôts. Et donc à partir de Là, c'est toute une opération financière qui s'organise. Ce chemin de fer existe, il est d'ailleurs dans tous les guides de voyage aujourd'hui, où on nous recommande de le prendre, d'aller le voir, pour admirer, nous dit-on, les prouesses de nos ingénieurs. Alors, ce n'était pas vraiment pour balader les touristes à l'époque, c'était pour balader du minerai, puisque bon, euh, c'est un, un bénévole, euh, Paul Doumer, mais bon, euh, la, la réalité, c'est la réalité tout de même. Et la réalité, c'est que les touristes dans le Haut-Tonquin, à part quelques chasseurs égarés avec leurs carabines de guerre, euh, les gens viennent là euh, pour chercher du minerai. Il y a des gisements de houille, etc. etc. Et puis, pour construire. Une, un chemin de fer, pour faire ses prouesses, justement, c'est-à-dire pour trouver des tunnels, pour construire des ponts dans des gorges, voyez, des précipices, eh bien, il faut des coulis, c'est-à-dire des travailleurs forcés. Il en faut 60 000, et sur 60 000, eh bien, il, en mort, il, il en mourra 12 000. Ce qui signifie qu'on est vraiment dans le cadre d'un travail forcé de très haute intensité. Et donc tout ça, vous voyez, s'organise ensemble et fabrique la, la petite optique. C'est-à-dire le guide de voyage dans lequel il n'y a pas de terme de politesse, c'est uniquement cette grammaire de la servitude qui nous est pénible aujourd'hui quand on la lit. Et puis euh, ces dames qui euh, jettent des sapèques, euh, l'époux qui lui organise un consortium. Et puis au finish, euh, 12 000 morts dont on peine d'ailleurs à parler, puisque dans les livres aujourd'hui, on en parle dans des termes qui sont le, le, le taux de mort Mortalité sur les chantiers de construction était de. Mais à 12 000 morts pour 60 000, il me semble que le terme de l'expression taux de mortalité ne convient pas. Merci. Euh, je vais partir de ce premier chapitre, ne pas y rester. Bah, vous, vous inquiétez pas, hein, sinon on en a pour trois jours. Mais euh pour le relier à l'ensemble du livre. Il y a quelque chose dans le déroulement de ce chapitre qui est très intéressant, hein, cette, cette ouverture. C'est-à-dire qu'on a eu la, le guide de voyage, et puis, page suivante, on est en 1928, une visite des inspecteurs du travail dans les plantations de latex, euh, et, et les conditions, là aussi, de travail forcé. Euh, et eux-mêmes... Euh, soit vous l'avez lu, soit vous le relirez, vous verrez que euh, vous venez d'illustrer magnifiquement ce qui leur arrive, ou ce qui ne leur arrive pas assez, c'est-à-dire que leurs yeux ne se décilent pas. Quoi. Il y a quelque chose qu'ils voient, qu'ils ne voient pas. Et que nous, on nous fait voir, hein, comme vous l'avez dit. Euh... Ça nous fait voir à la fois qu'il y a quelque chose et qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas à l'époque. Et ça va jusqu'au guide de management de l'époque, euh, qui définissent... De loin, la façon de faire travailler ces gens de façon forcée, mais qui ne se plus. C'est plus que les guides de management, c'est l'inventeur du management, ouais. c'est Taylor, qui est donc l'inventeur de ce qu'on appelle le, le Taylorisme. Donc c'est la base même de la, de la standardisation, disons, de la, de, du travail et de la vie sociale. Et donc dans, ce chapitre-là est exemplaire de cette circulation-là, hein, d'un document, même si je prends les précautions, d'un document à une autre forme de source, ouais. euh, disons, euh, pour. Euh, euh, cette, cette histoire de dessiller les yeux dont, dont vous nous avez parlé. Mais à l'échelle du livre, ça, ça me semble être exemplaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a. Alors, ce n'est pas tout à fait un angle mort, puisque le dernier chapitre, c'est la chute de Saigon. Euh, donc, évidemment, euh, la guerre d'Indochine telle que vous l'envisagez, elle ne va pas de 46 à 54, mais là, dans votre livre, elle va de 1923 à la chute de Saigon dans les années 70, quand les Américains s'en vont. Euh, première chose. Mais également. Le livre lui-même est organisé majoritairement sur l'incurie de l'armée française, les décisions, la cheveux de ces de de puissants, de ces décideurs, donc. Euh, et les, les fameux vietnamiens, indochinois, euh, sont là, mais pas là. Sauf qu'ils sont là à la toute fin, en post-face. Et elle est très importante, me semble-t-il, cette note, parce que vous n'en faites pas forcément. Euh, et elle arrive avec une grande sobriété stylistique à la toute fin, après que le texte soit fini, après hein, la chute de Saigon. Note du côté de la France et des États-Unis, il y eut en tout 400 000 morts, si l'on compte les tirailleurs, les supplétifs indo-chinois, troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Du côté vietnamien, la guerre fut au moins 3 600 000 morts dix fois plus. Cela fait autant que de Français et d'Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et ça a bien un statut de note, hein, c'est-à-dire que c'est écrit plus petit. Euh, donc c'est pour ça que je parle d'Angle-Mort, de, de quelque chose qui se fait en contrepoint, qui se dit discrètement, euh, et qui n'en est pas moins majeur, je pense, dans le sens que revêt ce livre. Euh, pour redoubler aussi ce que vous disiez sur le, le, le décilement et nous faire voir quelque chose. Euh, nous faire voir une petite chose qui est en fait essentielle. Euh, et là, deux choses. À la fois euh, euh, que... Je pense que même si on le sait, notre premier réflexe en pensant guerre d'Indochine, ça va être 46-54. Après, on va se corriger, se dire oui, bon, d'accord, on peut voir les choses autrement, mais c'est le premier réflexe, celui des livres d'histoire, voilà. Euh, notre premier aveuglement, si j'ose dire. Et puis, euh, le, le deuxième, c'est effectivement l'invisibilisation totale de... Ce qu'on peut appeler l'ennemi, l'indo-chinois, ceux qui se libèrent. Cette espèce de masse, de masse grouillante, hein, puisque c'est aussi comme ça qu'on qu nous l'a décrit et que l'on décrit les, les, les politiques et tous les lieux communs sur ces guerres-là. Hein. La visibilité dans la jungle, euh, la, la petite taille dont vous parlez, hein, les propos racistes autour de. Euh, et ça, ça me semble être, être essentiel dans ce livre-là. Euh, la façon dont vous procédez par un contrepoint aussi, pour jusqu'à attendre cette note. Pour nous faire voir quelque chose qui n'était pas le plus visible, mais qui est essentiel. Vous voyez, pour un peu redoubler ce mouvement euh, de, de décilement dont vous parliez concernant vous-même. Hein, enfin, au départ, euh, euh, ce qui vous apparaît un trouble dans le regard. Vous décidez de regarder autrement, mais ceci qui reproduit le livre. Il nous propose de tenter de regarder autrement, de regarder autrement temporellement, géographiquement, et puis à l'échelle des, 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 des phénomènes. Oui, il me semble que tout d'abord, je suis tout à fait d'accord. L'idée, la séquenciation qu'on peut faire de nos guerres en général et qui nous apparaît comme évidente est totalement discutable, même y compris la Seconde Guerre mondiale pour les Chinois. Vous voyez, 39-45, c'est très curieux. Ça commence bien avant. Donc, euh, du coup, il y, y a vraiment dans, dans les évidences mêmes, vous voyez, les séquenciations les plus euh, solides. D'ailleurs, même pour nous, ça se discute. Vous voyez, 39-45, c'est vraiment une vision pour le coup très française presque. Donc, euh, de la même façon il me semble que les guerres coloniales, il est curieux de les dater du moment où l'intensité du conflit est telle, effectivement, que disons on, on, on décrète qu'il y a un phénomène d'ailleurs pas au départ puisqu'on parle d'événements souvent on euphémise mais en tout cas après que là, la guerre démarre en réalité la guerre démarre le jour de la conquête c'est-à-dire pour ce qui concerne le Vietma, le Vietnam c'est autour de 1860 à peu près après plusieurs opérations ratées et réussies militaires de très haute intensité que la France commence à occuper quelques parties de ce qu'elle appellera l'Indochine et donc c'est à ce moment-là que commence la guerre d'Indochine et puis il va y avoir d'ailleurs des insurrections très régulières euh, des ce qu'on appelle nous mutineries de certaines troupes justement de de, de supplétifs euh, etc enfin, des attentats très nombreux euh, sans cesse en fait et, et puis petit à petit effectivement à partir de la, la fin de la deuxième guerre mondiale la constitution d'un corps d'armée véritable euh, d'abord dans des activités de guérilla puisque évidemment l'armée la, française elle va être d'ailleurs la seule jusqu'au bout à disposer d'une aviation hein, bon. et puis euh, ensuite dans des opérations à partir de, de on peut dire de, de 1950 de, de guerre à proprement parler bon. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut revoir effectivement le, le, les, euh, les séquences et c'est un enjeu. On le voit bien, c'est au fond un enjeu politique, c'est-à-dire euh, la datée de 45 ou 46, euh, c'est enfin, une datation qui voudrait dire qu'il y a eu une sorte de stase qui aurait duré de 1860 jusqu'à cette date dans laquelle la colonisation a eu lieu comme quelque chose qui n'était pas contesté par les autochtones. Ils ont trouvé ça pas mal pendant tant de temps et puis à un moment finalement après guerre ils se sont réveillés brusquement et se sont dit que ça suffisait maintenant ils avaient appris à cette chose grâce à nos missionnaires et à nos enseignants et euh, donc ça c'est le premier point le, le second alors euh, c'est qu'au fond euh, lié à ce que tu disais de la façon dont on, on euh, comment dire dans certaines choses euh, voilà, me, euh, peuvent venir troubler notre, notre regard c'est que donc, je, je suis tombé sur cette, euh, ce texte, ce rapport euh, confidentiel le, à une inspection du travail. Alors c'est le terme, ce qui m'a retenu d'abord, c'est le, le titre. Vous voyez d'abord confidentiel évidemment, et inspection du travail. C'est que là, il euh, y, y a quelque chose de très contemporain, au fond. Euh, euh, vous voyez, on a des problèmes, il n'y a, a pas assez d'inspection du travail. On sait qu'on a tendance à la réduire, à réduire ses prérogatives. Et là, au contraire, on est à la naissance, au balbutiement euh, d'une vague inspection du travail, d'un tout petit code. On nous dit aujourd'hui beaucoup, enfin, on l'a dit un temps, on continuera de le dire que le code du travail est trop épais c'est énorme, là il était vraiment très petit donc c'était il faut bien le dire assez pratique et donc on a sur la base d'un tout petit code de quelques ordonnances qui ont été rendues une première inspection suite à, une, justement, à un mouvement de, 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 de contestation très grand à l'intérieur avec un mort bon, de, la, de la plantation Michelin qui donc a éveillé l'attention des, des autorités alors, tout d'abord, en lisant ce document, évidemment, on est pris tous par une, une, une langue qui est la langue bureaucratique. Alors, c'est d'ailleurs même pas pour la critiquer que je dis ça, c'est qu'au fond, il est sans doute nécessaire, vous voyez, qu'il y ait une sorte de standardisation juridique de la langue qui permet à ceux qui sont spécialistes, en l'occurrence du droit du travail, de savoir quelles ont été les atteintes portées au droit. Seulement, il se trouve que quand on la lit tout de même, on est troublé par, euh, euh, je ne sais pas comment dire, le frottement ou l'écart très curieux entre cette langue bureaucratique et ce qu'elle est tout de même en train de discuter, de qualifier juridiquement. C'est-à-dire des faits qui, en fait, s'apparentent ça ça, ça à de la torture. Euh, donc il s'agit par exemple, de savoir au petit matin si deux types attachés par un fil de fer en loques sur le bord de la route et emmenés par un contremaître, vous voyez, on peut imaginer leurs chevilles usées par le fil de fer quand on les tire, si c'est si dans le droit du travail correct ou pas correct. Mais il se trouve que c'est correct. Ce sont donc L'inspecteur s'arrête, arrête la voiture, interroge le contremaître, qui lui dit Ce sont des déserteurs. Ce qui signifie qu'à l'époque, en fait, les contrats de travail ne permettaient pas aux coulis vietnamiens de quitter les lieux de travail pendant six mois. Et puis ensuite, c'était vaguement, tacitement reconductible. Donc, paf, tout à coup, ils se rendaient compte qu'ils avaient rempilé pour six mois ou ils étaient endettés euh, puisqu'ils avaient cantiné à l'intérieur du camp dans lequel ils travaillaient. Donc, vous voyez, c'est un contexte de droit du travail très curieux, ce qui fait que la qualification juridique, le, le rapport au droit du travail et à ce qui nous est raconté est tout de suite euh, vraiment troublant. En fait. Mais il l'est encore plus quand on l'écrit puisque quand on reprend à son compte et qu'on fait sortir tout à coup de cette langue bureaucratique les scènes qu'elle nous raconte et qu'elle nous rapporte euh, euh, très bien par ailleurs, de façon très détaillée, puisque je n'invente aucun des dialogues qui sont dedans, ils sont rapportés par Delamarre, l'inspecteur du travail, fidèlement, donc il fait son travail. Enfin, je, je, je ne critique pas le, le, le travail qui a été effectué, mais... Vous l'avez mais... trouvé où ce rapport confidentiel-là, dans des archives oui tout, oui. oui, tout à fait. Oui, oui ça, ça vient des archives d'outre-mer. Et euh, euh, par ailleurs, cette archive a été utilisée. J'ai vu dans un autre livre que j'ai connu euh, plus tard pendant que je, que je travaillais, euh, de, je crois d'Éric Pantoud, je crois, qui euh, euh, a écrit un, un livre qui est à la fois sur, enfin euh, qui concerne cette, euh, cette plantation, à la fois euh, cet événement, mais aussi euh, beaucoup d'autres, et qui publie euh, également dans ce livre une archive très intéressante qui est le, 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 le récit euh, donné par un Vietnamien qui faisait partie. Qui travailler sur cette plantation au moment où de la vient, donc une espèce de, de contre-champ. Et donc, le, 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 en tout cas, lorsqu'on écrit ce récit, lorsqu'on le reprend d'une certaine façon à son compte, lorsqu'on y noue sa subjectivité, lorsqu'on défait, lorsqu'on lève au fond, disons, les, les, les formes de tabou, ou en tout cas les formes d'euphémisation de, de, que la langue juridique introduit dans les faits, et bien tout à coup, ils reprennent une autre forme, ils nous heurtent autrement. Et puis surtout, on est en cours même de narration dans une chose qui a à voir avec l'écriture, mais qui en est, disons, qu'un élément euh, que, le, que l'a pas. Disons, la, la, cette, cette forme qu'on appelle le récit, qui est que on est bien obligé de mettre un fait après l'autre. Eh bien, à la différence de Delamarre, on n'a pas les mêmes objectifs. Il ne s'agit pas pour moi de qualifier juridiquement, mais de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, là, tout à coup, par exemple, je me retrouve face à une scène très étrange où, euh, brusquement, l'inspecteur du travail. Après un épisode, euh, ce qu'on peut appeler une, une visite assez potemkin, euh, où on lui montre des cuisines modernes, voyez, des installations d'infirmerie irréprochables, un personnel diligent, tout à coup passe devant une porte et dit mais qu'est-ce qu'il y a là derrière On lui dit un débarras. Et puis, au moment où il s'éloigne, exactement comme au théâtre, vous voyez, dans, le, dans les vaudevilles, où, lorsque un homme et une femme se retrouvent au premier plan et que, euh, tout à coup, euh, la femme accuse son mari euh, d'avoir une maîtresse et qu'il nie, euh, pas du tout, et qu'on entend un gémissement dans le placard, vous voyez, euh, et les spectateurs « Ah, bon, voilà !», eh bien, on entend, à ce moment-là, quand Delamare s'éloigne des gémissements, donc euh, Delamare se retourne, demande à ce qu'on ouvre la porte, et là aussi, vraiment, dans un... un quelque chose qui, lorsqu'on lit dans la langue bureaucratique, apparaît, apparaît Enfin, ce sont comme des péripéties tout à coup lorsqu'on est obligé de le reprendre à son compte et eh bien ça apparaît comme inquiétant en tout cas c'est tout à coup euh, euh, comment dire ça s'aggrave d'autre choses qui est que euh, donc Delamar demande à ce qu'on ouvre la porte et on lui dit euh, le directeur de la pension dit oh, mais j'ai pas les clés euh, alors il dit, bah, allez chercher tout de suite, enfin ou défonçons la porte. Et là, hop, le type retrouve les clés, il dit, ah mais finalement je les avais, pardon. Et donc, tout ça, étant, au fond, euh, sont des péripéties qui, lorsqu'on les reprend à son compte, lorsqu'on écrit, lorsqu'on les met en, en, en récit en quelque sorte, et qu'on est obligé de décrire, deviennent véritablement inquiétantes, puisque c'est quoi il s'agit de l'hypocrisie, vous voyez de la, de, la, de la dénégation la plus outrée, enfin la plus invraisemblable vous entendez des gémissements derrière une porte le type vous dit qu'il n'a pas, pas les clés, tout à coup il les a, il y a, il y a un rapport, il est en train d'essayer d'intimider en fait l'inspecteur du travail j'ai pas les clés, puis l'autre dit je vais défoncer la porte, alors là bon d'accord bon, j'ai les clés, et je les sors, donc tout ça est très pénible en fait et puis surtout l'instant d'après quand on ouvre la porte, on tombe donc sur un coulis vietnamien attaché par une main à une barre de justice nue, sauf les parties génitales qui, se cachent, qui, qui tentent de cacher comme il peut avec l'autre main et un bout de, de chiffon sale. À ce moment-là, Delamar approche et s'aperçoit qu'il a le dos lacéré de cou et qu'en gros, il est en train de mourir. Donc, euh, ce qui, à ce moment-là, est dans la langue, au fond, vous voyez, bureaucratique, un, un problème qui est, alors, qu'est-ce qu'il a fait Il demande pourquoi il est là. Oui, est, on est face à quelque chose, de, en fait, qui est sidérant, c'est-à-dire, on est face à la preuve réelle, c'est-à-dire le flagrant délit de torture, c'est-à-dire le travail forcé, c'est ça, en fait. Et à ce moment-là, le directeur de la plantation a cette phrase vraiment troublante, il se rue sur le coulis attaché, il dit « pourvu qu'il ne se soit pas mutilé ». Alors là, vous êtes vraiment face à, à l'impossible. C'est-à-dire qu'en en réalité, en écrivant cette réplique de Trier, donc le directeur de la plantation, m'a fait saisir quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. C'est vraiment en l'écrivant que ça m'est venu. C'est qu'au fond... La colonisation, c'est un fait social très complexe, mais il a une caractéristique, enfin il en a deux, disons, une qui partage avec d'autres faits sociaux, qui est qu'il s'agit d'extraire de la plus-value. Voilà. Bon, on a des ressources naturelles, il faut les exploiter, on a des coulis, on ne les paye pas, ou très peu, et voilà, on peut du coup retirer du charbon, on peut cultiver de l'EVA. Bon. Donc ça, mais ça, les entreprises font ça, si vous voulez, pas de la même manière, mais c'est pas. Le second point c'est que euh, c'est une dénégation en réalité de, de ce que c'est. La, la colonisation est un phénomène qui dit je ne fais pas ça, pas du tout. Je suis venu en réalité ici pour convertir les, les, les Anamites, vous voyez, à la religion catholique. Je suis venu ici pour les enseigner, pour amener la civilisation. Enfin, vous voyez, vous connaissez tous ces discours. Donc c'est au fond sans cesse un, un phénomène social qui dit le contraire de ce qu'il est, qui dit qu'il est autre chose que ce qu'il est. Il a pour caractéristique de se nier. Et c'est là exactement ce que fait Trier devant ce qu'on appelle en droit un flagrant délit. C'est-à-dire qu'alors que tout à coup, puisqu'on nous dit toujours, mais enfin, euh, vous avez des preuves que ça a été si monstrueux, vous voyez, bon, là, elle y est la preuve est eh bien face à la preuve le directeur dit pourvu qu'il ne se soit pas mutilé et là on est vraiment face à une scène que la littérature a parfois caractérisée. vous voyez dans gogol on trouverait des choses comme ça vous voyez c'est des personnages qui disent quelque chose de délirant dans le Révisor par exemple vous voyez, dans sorte d'affolement puisqu'ils ont la visite de ce contrôleur qui arrive donc on est capable de dire tout et n'importe quoi pour échapper à je ne sais quelle punition administrative vous voyez et eh bien là c'est la même chose la littérature a déjà qualifié ce type d'attitude on a là une, une mauvaise foi mais pousser à une sorte de paroxysme. C'est-à-dire, si la réplique n'était pas écrite dans l'inspection du travail, on n'y croirait pas. Vous voyez, on ne peut pas l'inventer presque. On n'oserait pas inventer une telle réplique. Et néanmoins, même si l'inspection du travail, euh, par son langage bureaucratique, d'une certaine manière est en dessous de la réalité, Parce que, dire, une partie de la réalité lui échappe, c'est-à-dire au fond, ce qui nous choque nous quand on lit ce rapport, c'est que entre ce qui est dit qualifié et ce qu'on qu voit immédiatement et ce qu'on éprouve, eh bien il y a un abîme en fait. Eh bien on peut dire que la littérature aussi, sans doute mon livre aussi, toute la littérature aussi. Euh, J'en donnerai un exemple plus lointain puisque bon quand euh, Jeanne euh, quand, quand est publié par Charlotte Bronte janer euh, le, 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 à ce moment-là la presse euh, euh, crie au scandale on trouve que le roman est brutal vous voyez on parle d'une femme enfin d'un homme puisqu'on ne sait pas que c'est une femme à l'époque en colère, d'un auteur vous voyez, euh, en colère, on dit que la description qu'elle fait des de l'orphelinat est excessive euh, euh, on dit que par exemple l'espèce le, de haine que l'on prête au, euh, au personnage, euh, Jeanne R ça s'a bienfaitrice. fait quand elle dit I hate you, mais c'est plus quoi tout ça est, est, est voilà, est excessif, brutal, etc. Donc c'est un roman qui choque profondément. Or aujourd'hui, quand on relit ce très beau roman, qui est toujours très actif en fait. Hein, bon par ailleurs, eh bien, il est tout à fait en dessous de la réalité des orphelinats de l'époque. c'est-à-dire que euh, d'une certaine façon, charles Brontë écrit un peu au-delà de sa visibilité à la différence de jane austen. elle a vu ce qu'étaient les orphelinats parce que elle, est, euh, elle, elle, elle commet des œuvres charitables, donc elle, elle a vu la misère des orphelins, mais elle n'est pas orpheline elle-même. donc, euh, d'une certaine façon, elle ne peut pas écrire sur une expérience qu'elle a réellement vécue de l'intérieur si bien qu'au fond et puis aussi peut-être par prudence, euh, peut-être aussi parce que ne s'est pas ouvert en elle l'espace nécessaire à pouvoir écrire le plus fidèlement possible cette expérience euh, tragique. Euh, et puis, il se trouve que les faits, depuis, euh, on a, il euh, y a eu, il y a peu de temps, sur Arte, un, un documentaire sur Jersey, un orphelinat à Jersey, où on voyait donc, euh, je crois, des enfants qui avaient été euh, maltraités, certains morts, enterrés, dissimulés, des maltraitances euh, diverses et variées, sexuelles, etc. Donc, euh, bien longtemps après, donc, on peut imaginer ce qu'était du coup euh, un orphelinat dans la première moitié du XIXe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si la langue bureaucratique fait mise, et que la littérature, au contraire, tente de défaire la fiction, néanmoins, avant que nous puissions rejoindre la réalité, eh bien, il faudra justement que les premiers concernés puissent eux-mêmes, au fond, écrire. Alors, juste, en pensant à tout ça avant-hier, avant de venir, j'ai photocopié justement quelques bribes de textes qui rendent compte assez rapidement dans l'histoire littéraire de ce problème la façon au fond dont on traite les autres c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas écrire en l'occurrence donc les coulis là et plus lointainement dans le temps les paysans les ouvriers alors dans un texte je prends des textes très célèbres dans le don juan de molière vous avez vous savez le personnage de pierrot qui se fait piquer par don juan sa, sa promise et alors comment parle pierrot il parle, il parle comme ça d'abord il s'appelle pierrot mais sa promise l'appelle pierrot Ensuite, il dit ventre qu'en, je n'y emporterai jamais. Alors, je ne le cite pas en entier, mais simplement, ce je n'y emporterai jamais est écrit, je, plus loin, G-N-I. C'est-à-dire que Molière, au fond, écrit une langue qui ne peut pas être écrite. Il est en train d'essayer de trouver les moyens littéraires de décrire comment parle un analphabète de son point de vue, si vous voulez. Et donc il essaie d'être honnête d'une certaine façon. Il essaie d'en rendre compte. Au fond, euh, il essaie de montrer le côté oral tout à fait pour lui. Euh, tout à coup, l'intrusion de l'oral dans l'écrit. Alors, euh, on peut dire que ce, euh, comment dire, euh, c'est une langue quasi phonétique. Au fond, il essaie d'inventer une langue, une langue, phonétique. Seulement, on le voit bien. Le problème, c'est que comme Molière est très loin d'avoir la vie de Pierrot et la vie Paysans, comme les paysans de l'époque sont très loin de pouvoir écrire eux-mêmes, eh bien, c'est un abîme qui est pénible et qu'on ne peut pas combler. C'est qu'à la lecture de Don Juan ou lors des représentations de Don Juan, il y a un effet de comique qui est, bien sûr, par moment légèrement en défaveur de Don Juan, mais globalement en défaveur de Pirot. Donc ça, c'est le premier texte. Et puis, deux siècles plus tard, Tolstoï écrit dans un très grand livre, Anna Karénine, euh, des passages nombreux, mais surtout un très beau passage, à peu près à la moitié du roman, euh, où le personnage, un des personnages centraux, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui s'appelle Lévine, et qui est, disons, le personnage le plus proche des, justement du monde paysan, qui est quelqu'un qui l'idéalise même, euh, en quelque sorte, euh, qui est un propriétaire terrien, comme Tolstoï, qui est en somme d'ailleurs Tolstoï lui-même un petit peu, va travailler avec les paysans et euh, faucher. Et donc là, j'ai souligné ce petit passage. Comme les hommes commençaient une nouvelle ligne, le vieux attira l'attention du maître sur un essaim d'enfants à moitié caché par les herbages. Ils s'en venaient, qui le long de la route, qui à travers champs, apportant aux faucheurs, fardeaux lourds à leurs petits bras, des pins et des cruches de gvas bouchées avec des torchons. V'là les moucherons qui s'amènent, dit le vieux, et s'abritant les yeux de la main, il consulta le soleil au bout de deux lignes il s'arrêta et d'un ton décidé il est l'heure de dîner notre maître déclara-t-il alors pour la seconde fois les faucheurs remontèrent des bords de la rivière vers l'endroit où reposaient leurs vêtements c'est là que les attendaient les enfants ceux qui venaient de loin se glissèrent sous leurs chariots les autres s'installèrent sous un bouquet d'osier qu'ils couvrirent pour avoir plus frais avec des paquets d'herbes alors là on voit évidemment que ça a changé cest la description, en tout cas, de, de Tolstoï est beaucoup plus fidèle. Il a lui-même fauché, il sait un peu ce que c'est, il connaît la campagne. Et la visibilité, évidemment, qu'il a en tant que maître d'un très vaste domaine, lui donne, disons, une connaissance de la réalité très grande. C'est en somme, d'ailleurs, ce panoramique de grands bourgeois ou de grands aristocrates ou de petits aristocrates est à l'origine d'une grande partie de la littérature réaliste du XIXe et fait même en partie sa qualité et aujourd'hui aussi son défaut. Puisqu'on y retrouve aussi, la, avec l'élision du Vla ou notre maître, la même tentative un peu maladroite, un peu bizarre, puisque euh, si on se pose la question de minute, lorsqu'il fait parler des aristocrates, il n'essaie pas du tout de contrefaire leur accent, en aucun cas. C'est comme si sa caste, son, euh, sa, sa classe sociale n'avait aucun accent, aucun tic, pas d'oralité. Que euh, finalement, quand c'est Lévin qui parle, c'est la littérature qui parle. Lévin parle comme on écrit tandis que précisément, là, le vieux paysan, lui, ne parle pas comme on écrit et on tente donc, dans l'écriture, d'introduire quelque chose de cette, euh, de cette oralité. Alors, il n'y a plus les coups de pied au cul que reçoit Pierrot euh, dans, euh, dans, dans Don Juan, donc le côté pantalonnade euh, s'est évanoui. La description est sérieuse, mais euh, ça conserve néanmoins cette, euh, cette dimension. Alors, pour finir... Il nous reste dix minutes. Oui, mais je, et j'ai une question terminer. que je voudrais vraiment poser Absolument. pour Rolier. Absolument. T'inquiète pas, tu la poseras. <laughs> J'arrive à la fin. J'arrive à notre époque. Et avec deux deux exemples. Bref, donc, un, c'est Navel, donc un écrivain ouvrier qui écrit dans un très beau livre que je vous recommande, qui s'appelle Travaux. Enfin, vous l'avez peut-être déjà lu. Hein, ceci. Dans le village, on ne disait jamais d'une femme qui avait des enfants madame entre guillemets, mais la mère entre guillemets. Toutes les mères se ressemblaient. C'étaient des femmes arides et à larmes. Et un peu plus loin, les mères laissaient toujours couler quelques larmes qu'elles essuyaient avec un grand mouchoir à carreaux quand elles se rencontraient, une posant sa brouette, l'autre son panier, à la croisée d'un chemin de vigne et de la route montant vers les bois. Donc là, Navel nous raconte quelque chose que lui a vécu. Il est véritablement du, de, 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 du monde qui décrit le décrit donc de l'intérieur comme plongé dedans. Alors on le voit du coup, lui il fait un usage de guillemets pour vous voyez nous dire que on disait pas femme mais la mère, etc. C'est un emploi tout à fait différent. Sauf que on a, en, on a encore une chose, c'est ce grand mouchoir à carreaux. Voyez, ce grand mouchoir à carreaux, on peut dire, c'est une sorte de, de Comment dire de va-et-vient entre l'émotion et la dignité, voyez, une forme de chose qui est devenue pour lui en partie pittoresque, puisqu'il est à la fois de ce milieu et plus tout à fait, même s'il sera ouvrier sa vie durant, il est néanmoins un ouvrier lettré, il est donc en quelque sorte déchiré entre les livres et euh, le mouchoir à carreaux. Et le dernier auteur qui écrit euh, quelques dizaines d'années plus tard, c'est Thierry Mes, qui est un très grand poète du XXe siècle, qui a toute sa vie été ouvrier, manœuvre même pour tout dire, bon, qui est décédé à 40 ans, et voilà ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle Le journal d'un manœuvre et qui est donc là véritablement le récit encore plus fidèle que Navel en quelque sorte, puisqu'il raconte là son expérience à lui, euh, professionnelle on peut dire. 3 juillet, la pioche est moins bavarde le vendredi. On sent dans les reins qu'on a porté du poids toute la semaine. On sent qu'on approche. Ce sont les derniers mètres avant la halte, avant de retrouver le livre d'images dans le point fermé du dormeur. Travail de passeur, d'une rive à l'autre, sur le radeau d'une parole donnée, mais aussi d'un ordre, aucune marchandise, des pierres, des gravats, de la terre, tout un sous-sol qu'éclaire le moindre geste qui le transmet de manœuvre à manœuvre. J'aime à croire qu'un jour peut-être, un dieu sans nom s'assoira sur ce petit tas de terre, prendra place dans la tombe éclairée de mes gestes, avec les mots de tous les jours, simples passereaux. Il soufflera un instant, puis repartira vers ce qui a lieu dans les déserts où sont les hommes et leurs chantiers. Vendredi, ce sera son nom. Et bien Là, je crois qu'on peut dire que Piaro a rejoint la littérature. Merci Eric. Il nous reste cinq minutes et il y a une question que je, je ne peux pas, ne pas vous poser pour relier encore une fois à votre travail. Euh, on aurait pu en faire une heure en partant de cet endroit-là qui est le titre, une sortie honorable. Euh, euh, il y a une ironie dans ce titre. Hein, donc que vous pouvez expliquer, c'est-à-dire que euh, effectivement, on l'a compris. Euh, C'est une formule qui est largement euphémistique pour décrire euh, ce dont il s'agit. Euh, et, et je regardais vos, vos quatre, quatre derniers livres en date. Euh, L'ordre du jour aussi. Il hein, y a une forme d'ironie. Euh, et puis 14 juillet et la guerre des pauvres ont des titres. En beaucoup plus grande littéralité. Donc, pour le dire vite, est-ce que, avec vos armes d'écrivain, euh, l'usage de l'ironie que vous faites euh, n'est-il pas, euh, en, voilà, en toute modestie, hein, mais dans le projet, euh, n'est-il pas une, une manière de tentative de renversement et de réappropriation C'est-à-dire, l'ironie, vous l'utilisez à l'égard de... Ce que j'oubliais de dire, c'est que ce sont deux livres qui parlent depuis les puissants. La focale, elle est sur les puissants, et là, la focale, elle est sur les dominés. Euh, Est-ce que voilà l'usage de l'ironie et, et le renversement qu'elle peut produire et on a plus que 4 minutes. Oui, je pense que l'ironie en fait produit une forme, une forme de connaissance, et au sens où peut-être on ne pourrait pas la produire autrement ou d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est pas juste un outil qui permet de faire rire un instant et d'indiquer quelque chose. Euh, il me semble que les films de Chaplin, par exemple, par l'ironie qu'elle a leur, euh, tout à coup l'humour même au fond euh, euh, fabrique des scènes qui nous indiquent et nous font comprendre des choses que l'étude au fond ne nous permettrait pas de comprendre. Et pour donner un exemple de, dans la, en peinture, euh, prenons. Les, les, les célébrités du juste milieu, vous savez, les petites statuettes de Daumier. Euh, si on prend la statuette de Guizot, par exemple, on trouve, euh, donc, on, on peut se dire c'est une caricature, vous voyez, c'est ironique, il se moque en quelque sorte de Guizot, il, euh, il exagère, le, le trait est accentué. Mais quand on regarde les, 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 les tableaux qui ont par ailleurs été faits de Guizot, je crois que l'un des peintres, l'un des portraitistes les plus célèbres de Guizot, c'est Vernet, qui a fait quelques, notamment une espèce de portrait en médaille. Bon. Eh bien, euh, le, le, le le problème est qu'il n'est pas très sûr que la caricature, ce soit la petite statuette de Daumier. C'est qu'en réalité, il n'est pas sûr que Guizot, dans cette manière de peindre, beaucoup plus réaliste, voyez, en apparence beaucoup plus sage, beaucoup plus posée que les, les petites sculptures pétries par, euh, par les doigts de Daumier, nous apparaît aussitôt voyez, par sa manière, au fond, comme étant plus réaliste. En réalité, elle est seulement plus flatteuse. C'est-à-dire que ce qu'on voit de Guizot, c'est rien sur ce portrait, rien qu'un homme d'État comme on nous l'est peint d'habitude, voyez, plein de dignité, solennel, etc. Ce qu'on voit avec Dommier, c'est non seulement Guizot lui-même, physiquement, on le reconnaît, mais ce qu'on reconnaît, c'est sa haine du suffrage universel aussi. vous Voyez, ça, ça, quelque chose sur son, son visage témoigne de quelque chose, tandis qu'évidemment, dans le dans le dans le tableau plus solennel, dans la médaille, ce qu'on on voit, je vous dis, c'est un homme d'État, c'est la, la statue équestre en quelque sorte. Et je crois donc à l'inverse de ce qu'on pense, il est possible que l'ironie soit du côté d'un réalisme plus grand, au fond, que euh, l'apparence d'un art, disons, euh, plus sage et mieux peigné. Merci Eric, et ça me faisait voilà. Je repensais à des moments d'une sortie honorable, puisque effectivement c'est directement illustré par certaines scènes où, où, où c'est voilà, littéralement là dans le texte les charges contre certains hommes politiques largement méritées et le portrait qui en effet est non seulement euh, énergique, euh, drôle. Euh, et et, et porteur d'autant plus de sens. C'est toujours un crève-cœur que de vous couper la parole. Euh, on a envie de continuer à vous entendre parler. Euh, celles et ceux qui sont présents dans la salle peuvent aller euh, profiter de la séance de dédicaces pour discuter avec vous, ce qui est un plaisir. Euh, merci infiniment. Les autres qui nous écoutent sur Internet, bon bah, vont se ruer, j'espère, sur une sortie honorable et les autres livres d'Éric. Euh, Merci encore une fois beaucoup. Autre information que je donne pour le festival, Estelle Sarabul rencontre dans trois minutes à côté. Merci de votre attention. J'espère sincèrement que celles et ceux qui ne connaissaient pas déjà Éric Villard auront d'autant plus envie d'aller s'y plonger. Merci de vos propos et puis de vos livres, quoi, parce que c'est très nourrissant pour nous tous et toutes.